Merci. Aujourd'hui, plus personne ne les attend pour les ramener à leur hôtel. Alors leur ego dans leur poche, ils ont tous revu leurs conditions à la baisse. Syndra jouait les bombes sexuelles pendant son heure de gloire. À 44 ans, elle fait aujourd'hui du mannequinat dans les magazines. Voilà, parfois, donc je fais... Mannequin ? Voilà, pour les vêtements de sport. La seule chose qui n'est pas changée, la plastique parfaite d'Indra et son petit short en lamé. Alors ça, c'est l'ancien short, vraiment. Et je pense oui. qu'il a presque 20 ans, ce short. Ah ouais. Ouais, il faut mélanger les choses. Ouais. Vous avez des vêtements pour bonheur, un peu oui, voilà, ça c'est un short que je trouve pas démodé. Il a des choses qui ne se demandent pas. J'étais très sexy à l'époque. J'avais des shorts, justement. Je portais des shorts, des petites bottines, des petits hauts. Donc, je vais faire un petit rappel. Un short d'époque qui reprend lui aussi du service 20 ans après. Mais les conditions ne sont plus tout à fait les mêmes. Tu l'as fait juste. Pas de loge pour Yannick. Le chanteur déambule dans les couloirs pour trouver un petit coin où se changer. Les exigences de star pour lui, c'est du passé. Malgré le magnifique palmarès de son titre il y a 10 ans, 13e single le plus vendu en France, c'est avec le sourire qu'il trouve aujourd'hui une solution de repli. Parce que la loge est full, il y a plein de monde. Moi je suis un petit peu, j'ai dit après, pudeur. Il y a juste ça. Mais ça je passe comme ça. Il n'y a personne. Mais là c'est parfait, moi je me change là. Moi ça me va très bien. C'est quoi, ça me rappelle quand je vais au foot et voilà quoi. Pas de loge individuelle ni de coiffeur, mais tout le monde joue le jeu. Pour les cheveux, je ne sais pas comment je vais faire. La Rousseau, elle, a trouvé la solution. C'est sa maman qui lui fera son brushing. Le coiffeur Indra s'en passera également, ainsi que du maquilleur. C'est même sur le frigidaire qu'elle installe son nécessaire à maquillage. Les caprices de star ici ne sont plus d'actualité, au grand soulagement de l'organisateur. Je suis super content d'avoir cet esprit-là, plutôt que ceux qui se prennent pour des méga stars et qui sont les stars de leur salle de bain ou de leur chambre à coucher. Ce soir pourtant, nos chanteurs ont de quoi se prendre à nouveau pour des stars. Une salle de 5000 personnes, une scène digne de leur succès d'antan et des fans qui connaissent tous les morceaux par cœur. Ouais, à gauche, ma main à droite. Où tu oublieras le soleil que mes mains faisaient naître dans les tiennes. Deux amis grecs, mon nom, moi c'est Minimi, oui tu l'as bien deviné. Here we go, here we go, here we go. Années 90, ça nous rappelle notre jeunesse. Et on va profiter au maximum. Alors c'est la nostalgie de les voir maintenant, ça fait plaisir. En coulisses, Benny B s'apprête à faire son entrée sur scène. Un retour 20 ans en arrière. Benny, vous êtes pas un peu fou? Oh oui. Y aller là maintenant. À votre âge. 20 ans. À votre âge quand même. Là, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Benny B, B-E-2-Z-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B. Et 20 ans après, c'est toujours le même succès. Sur scène ce soir, que des tubes. Et 20 ans après, tout le monde s'en rappelle encore. Super déchaîné, hein. Les fans étaient là, c'est énorme, hein. C'est merveilleux, dès les premières âges de tu m'oublieras le. J'ai eu une petite. J'ai senti une petite montée de larmes à un moment, je me suis dit non, maîtrise-toi. Mais parce que c'est super émouvant. Et je pense que là j'ai pris ma dose d'amour, mes amis, je suis ravie, je vous dis bye bye. Et depuis le temps que le public ne les avait pas vus sur scène, les Words Apart déchaînent les foules, comme à la grande époque. Aujourd'hui, les stars de la tournée 90 n'ont qu'un seul souhait. Qu'après cette tournée, le public ne les oublie plus jamais.